Bonjour à tous. Une nouvelle vidéo dans la série des causes de la maladie de la Peyronie. Aujourd'hui, le priapisme, et notamment sa forme la plus fréquemment rencontrée, qui est le priapisme à bas débit. Ce priapisme à bas débit est un événement au cours duquel le sang va rester bloqué dans la verge, soit de façon spontanée, soit dans les suites d'une injection volontaire intracaverneuse d'un médicament censé provoquer une érection. Lorsque ce médicament est en surdose, ou encore dans le cas de certaines maladies comme la drépanocytose, eh bien, le sang peut rester bloqué dans la verge. Cette érection va être prolongée pendant plus de 6 heures et va être à l'occasion de douleurs. Ces douleurs sont liées à une hypoxie, c'est-à-dire un déficit en oxygène dans le tissu de la verge, dans le corps caverneux. Et ce déficit en oxygène crée une douleur par acidose. Il s'agit du même type de douleur que l'on peut ressentir dans les muscles au moment d'une crampe. Et bien cette acidose, cette acidité du sang dans les corps caverneux, cette privation d'oxygène, est un traumatisme qui va être la cause d'une apparition d'une cicatrice dans les jours, les semaines et les mois qui vont suivre le priapisme. Cette fibrose va provoquer une rétraction de la verge, une perte de volume en érection, mais peut également provoquer une courbure. Pour cette raison, en cas de priapisme, il est indispensable de consulter en urgence afin qu'il soit mis fin à cette érection prolongée. Et dans les suites de cette érection prolongée, et afin d'éviter l'apparition de la maladie de la Peyronie, afin d'éviter la rétraction de la verge, il est indispensable de consulter afin de mettre en place un protocole de rééducation des tissus utilisant une pompe à vide, la prise quotidienne de médicaments favorisant l'érection naturelle, comme le Cialis par exemple, mais également l'utilisation d'injections dans les corps caverneux d'un dérivé du sang que l'on appelle le PRP et qui va jouer le rôle en libérant les facteurs de croissance d'un traitement qui va inhiber la constitution de la cicatrice. Il est donc nécessaire de consulter en urgence et si jamais le priapisme a duré, il est nécessaire de consulter au décours pour mettre en route les moyens nécessaires pour éviter d'en avoir des séquelles. À bientôt.